Olomide, Azan a raison. Pourquoi c'est ça qu'a bénissé? Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Ouais. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Il a raison. Kofi a gagné Félix. Kofi doit soutenir Félix, c'est qu'il n'a pas d'élection. Kofi, Zach de Kobin et la Félix, c'est qu'il n'a pas de concert privé. Mais si Kofi Olomide peut oublier tout ça pour dire ce qu'il a dit, c'est quelque part, c'est une façon de réveiller Bissou à politicien. Kofi ne s'adresse pas qu'à battre le pouvoir, s'adresse aussi à l'opposition pour dire, voilà, on nous tue, on viole nos enfants, on les enrôle dans l'armée, on pille nos richesses. Et quatre territoires occupés, Rutshuru, Masisi, Lubero, notre territoire, M. Souana, ils ont beaucoup à Yakaga, maintenant, ils ont Quand j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la qu'il y a une moto, qu'il y a un front. J'ai eu des larmes. La programmation militaire, loi programmation militaire, va passer 1 milliard en armée. Mais 1 milliard va passer une armée, 1 milliard c'est beaucoup d'argent, maman. Mais pourquoi est-ce qu'un milliard est une armée, mais les soldats ont un front qu'on a, ils ont ça là. Jeune na intermittence, le loi allié, l'obé allié, un soldat affamé, a aussi mon mandou qui est dégagé. Donc, ce que Kofi a dit, c'est vrai, le militaire a besoin de monter au fond. Vous rendez compte qu'un militaire qui va au fond de la moto, il y a un parce que les militaires ont militaire ils ont endémique pour sa vie dans les écoles. Mais même militaire, on a peut condamner Bamissou à mort parce que. Soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime l'autre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la défense dans une période entre guillemets de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas. Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. Luc. Mais, yoka maman Alikam, madame la ministre des Affaires étrangères, on a tout le bas est compétente. Batounye Moutoune n'est pas d'ailleurs, je ne sais pas moi. Ah oui, madame. Maintenant, c'est le rapport des Nations Unies, là, que le Bayango. Vous, les Congo, l'État congolais, vous n'étiez pas au courant. Oh non, vous savez, même nos services de l'armée congolaise semblaient nous donner nous indiquer des faits similaires. Ah bon. Donc, en tant que je peux avoir soupçonné Ouganda, que Ouganda a un 23, mais vous avez quand même maintenu coopération militaire dans Bango. Mais dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on gagne la guerre? Kofi n'a-t-il pas raison? Azale, on a évité ça, on a noté comme un putain à Kato, mais Azale est compétente. Oh. Na, on dit que Bassimi Bayende bâtit une affaire étrangère. Moi, j'aurais souhaité encore que le Tundu Latika la Kuna en affaire étrangère. Et à la titulé ouana madame Wagner parce que comme on a eu ce soir compliqué on a eu le prénom on a eu ceux qui Wagner je sais pas moi si on a ministre des Affaires étrangères assez compétente au pas l'indien Nassima au vu que moi au l'indien Nassima peut moi c'est vice ministre des Affaires étrangères il est pas compétente bon mais Balenios c'est pas comment qu'on peut mettre un duo et Bamater en Dengwana il y a moins le coffre le bac en gros on tient nos armes mais entre temps Rwanda continue à tirer sur nous. Donc nous sommes devenus des chers à canon. Qui a envoyé la vice-ministre là-bas, dans la réunion? Imagine-toi que Mme Wagner, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'objet, Bakamari photo tant au ministre, vice-ministre des Affaires étrangères à qui distraite. Mais maman, ce n'est pas question à photo. Question à dire, non, il y a une réunion. Vous connaissez ça, Nikuna. Oh, Nazako Belate, mais aucun hôpital n'a tombé, aucun hôpital n'a pourquoi, aucun hôpital n'a midi. Mais c'est le tout nu au tir Nazako Belate, mais aucun de ça n'est venu. Pour qu'on négocie, n'a pas monté tout ça, vous êtes, mais par réunion en Katimini, comment il le fait? Il peut plus tabler, c'est la tribu, même la tribu a compris qu'il ne jouait pas pour l'intérêt de la tribu. Le parti a compris que Félix ne jouait pas pour l'intérêt du parti. Et même l'IDPS aussi, en termes de tout ça, crédiblement à papa, il mange à papa, et tiens, il dit, il est collé à mauvais, je suis Félix, il dit, ils allaient suffisamment écorner. Donc Félix Alobaki m'a comme corruption. Alobaki boy. Félix Alobaki, connaissez la corruption ici? Alobaki, tu réduis le train de vie à l'institution.
Est-ce que les autres cas de vie avec ceux-là réduits? Non, au contraire, il va augmenter un peu. Alors, il y a aussi ça qui tombe à est, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à Mibale. Bamsou va voter, Bamsou va voter, et Bamsou va voter dans le Yengewana. Est-ce que le RCC va tomber à est? Au contraire, il y a même un peu ce qu'il y a, Félix, il y a limité, il y a fouti, il y a fini. Social à Congolais. Alors, il y a le Pia Blogue qui est là. Si 7 mois après, est-ce que le Pia Blogue qui est là? Peuple, ce que tu as, qui est facilité, peuple, peuple. Les lois, je peux vous dire que le peuple accompagne que Félix, c'est que n'ont rien entendu de lui. Mais c'est qu'il y a un problème. Il y a des complicités internes. Parce que tout ça, beaucoup plus à craint à la Colombie, Rwanda, communauté internationale, complot international. Mais nos propres responsabilités. Donc, comment on a un côté chez nous, Bissot, responsabilité de Bissot Zali, cantonnement à Félix Tshisekedi. Manque à clarté dans la politique et dans la sécurité. L'opération qui nous a amené, il y a des contradictions. Au niveau du ministère de la Défense, même les changements des intervenants qui sont ministère de la Défense. Un politicien, lobby qui est allé, manque de leadership, il y a un peu ça. Oui, pas un politicien, c'est déjà les siens, effectivement, maman. Parce que. Pour garantir l'intégrité, il y a un Congo, il y a un sentiment de terre. Et au hasard, leader, il a fait ce qu'il dit. Ce qui est incapable, il y a un peu ça, il y a un peu de terre. Il y a un peu de terre depuis 2 ans. Et que l'homme, hasard, il y a un peu de terre, il y a un peu comme le coup la chauffeur à pompe finale a conduit sa campagne sur la dernière temps à Bango et à Lille. Ce qui à tout moment, ce qu'on coûte dans ma tangate, au coup de la fête. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. On a Pessibino Mbote, Bandeko Balandi. Il y a Réaco News Télévision. Bienvenue, Bokolanda Bissopé sur Télénews RDC. Totondi Bino Banson Botondi, Baibozali Baikio, Bosso Boyetando Eke. Natina te to sombitinya makanisi ba jeune ba telemeli mambi ma matali état de siège na province ya Ituri awambilinga mbilinga ezali par rapport ya mayelo ba maki epa ya Kofi Olomide na émission le panier ba mba maki epa ya présentateur ya émission Jesse Kabasele c'est ça kayo kakimbela wana pona kolobate guerre ezali epa ya biso awate na ngumba Kinshasa. Tozalinde agressé, ba invité Kofi Olomide, Mingongo et Bele et Telemi. Balobi te opposition ezalite nandiela, UDPS mboutou mboutou nangambo na bango, bango na bango, ba kopota na ba oyo ba kei, ba oyo ba zongi boye. Moto azala ki akuse na mbongo ya leta po na maimatali lampader, azwa ki nandiela na ya pepope akenda ki, est-ce que ministre ya justice akosa amosa na ye malam? Point de vue, il y a président national, il y a ADD Congo, parti cher, il y a président Prince Epengue, Oazali Nabiso Awa na plateau Nabiso. Yende Azali invité Pambate to solo la balobite opposition et koyo kanate. Opposition et ko bundate. Bango pe bazalaka mingi na balabala na bokondi ya Kabila. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, la mboka Martin Fayulu m'a dit, Azali wapi, Azali awa epa ya bisoto, bako projete déjà te bako bimisali sous bato ADD, ba ilamuka, to ope boni. To yoka ki makamo me matali porte-parole ya opposition, nenge epe sa ki mbilinga mbilinga lelo, na président Prince Epengue nde azali invité na biso le descendant ya Lumumba, mwa la mboka Prince Epengue mbote na yo. Mbote mama Tatiana, merci pour ma invitation na ope mbote na bari basse wakola de biso. Président Prince Epengue, to lingi to zona nou point de vue na yo, parce que yo po zali moko ya bayi bakongo mani bayi bazali ko bunda po na mboka na biso, il y a de déclarations oyo esalema ki e pa ya Kofi Olomide par rapport ya guerre ya est ya République démocratique du Congo ya lobite guerre ezalite mais to zali nde agressé pambate ba ko beta biso kasi ata réaction mon côté na part oyo ya biso awa, est-ce que po na yo Kofi Olomide azana raison
pourquoi c'est ça qui a bien ici? À l'est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Ouais. Nous sommes tapés. Uh-huh. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans un qui n'a pas moto, pour pas qu'il n'en a front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais, d'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tout, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions et on le voit, nous. On voit quoi? Chiolomide, Azan a raison. Pourquoi c'est ça qu'a Bengisi? Bon, pourquoi c'est ça qu'a Bengisi? Je ne sais pas trop. Ce qui est vrai, c'est que Kofi Azali est un citoyen congolais. Ce qui veut dire qu'il a les droits de s'exprimer. Qu'on peut sa opinion à une dingue constitution et essayer Ningisa. Parce que justement, la constitution a été inventée justement pour ça. Pour limiter à la fois le droit à Batou, mais aussi pour nous respecter la liberté de Nabango. Et donc, il faut respecter la liberté à Kofi. Mais Kofi Azali, quand artiste était, Kofi Azali est une personnalité publique. Et Maïo Azali Koloba, Azali Natina, Ezala Malam, Ezala Mabe, et Sengi Toyo Kayango. Pambate, c'est un homme qui peut influencer beaucoup de gens. Maintenant, ceci dit, ce que de continue à fond, il y a l'Issoukoulounaïe. Kofi, sans aller très loin dans la définition étymologique, il y a Maïmatali Bitumba. Je crois que Kofi a paraphrasé un peu Maréchal Mobutu. Il y a Bandai Kolobaming qui dit faire la guerre veut dire tuer ou se faire tuer. Guerre et ça la manga toujours entre deux parties ou plusieurs parties, mais au tout comme la guerre les lots ce que tali malam tombé en mode guerre d'agression, ça dit que un pays étranger aille kokota na katia territoire congolais normalement. Au vrai sens du terme, Bissot, Congo, Tokolobate, Kotokosa la guerre. Tokolobake, nous ne faisons que nous défendre. C'est un peu comme Yo, Moutoye, et pas Nayo, Nambeli à côté Lyo. Nandakunao. Toi, tu n'es pas parti, Koulukabitumba. Moutou à côté Lyo, toi, tu te défends. Tu défends ta vie, tu défends ta maison, tu défends tes biens, tu défends ta famille. C'est exactement ce qui se passe maintenant avec le Rwanda. Rwanda koti na katambo kanabiso pour appuyer Balichès nabiso, pour abomabana nabiso. D'ailleurs, on l'a dit rapport aux Nations Unies. Plus de 1900 Congolais ba komi ba fou. Bana maladie psychiatrique ou psychologique, je sais pas comment ils vont appeler ça. 1900 Congolais. 1900 Congolais. Na bakane déplacé parce que la maladie a mis tout. Depuis... Mais pourquoi vous causez en prison à Pengeza, l'okito et à Massassi et tout? Mais il y a plusieurs facteurs, Maman Tatiana. Oui, juste pour vous donner une idée, une proportion à Oeza Kolekana. Monsieur le Marquis, Oazali, chef du service humanitaire à Nations Unies en Congo, à ça qui point de presse, c'est le 10 juin dernier. À l'obéité depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, donc depuis le début de l'année 2024 jusqu'au 10 juin, 460 Congolais basaki massacrés.
Donc en 6 mois, l'année 2024, 460 Congolais. Et d'ailleurs, la même semaine, avant d'aller développer sa point de presse, on a le 10 juin, il y avait d'autres massacres. Donc aujourd'hui, nous sommes à plus de 600 Congolais massacrés. Et quand on a janvier 2024 jusqu'au mois de juin 2024, 900 000 Congolais, Bakimi Banda Kunabango. 900 000, donc presque 1 million. Dans la province d'Ituri, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu. Donc maintenant, parmi Bangwana, 1900, Bazali, Bato, Mitu et Kessa Soumalamouté. Mais pourquoi Bato, Mitu et Kessa Soumalamouté? Déjà, Congolais, Dengana, Boutouali, Tana Bandaku, Tana Badres, on a déjà du mal à manger. On a déjà du mal à avoir un bon à foutre à l'eau, à l'eau. Et on a du mal à avoir un bon à foutre là-bas à Kela, c'est toi qui as la bangoli pendant beaucoup. Et Kawana, ils ont encore pire dans le territoire où ils sont allés. Le coup là, on a Djougou, le coup là, on a côté à Arukuna, Beni territoire, Beni ville, Masisi, Routuru, Lubero, etc. Le territoire, on a un Bakimi. Batwana bandekona misona bakimi banda kuna bango tanga oki manda ko yapo no kito masasa donc akimi ndako obitu bisu ba famille nombreuse hein. On dit que une femme congolaise donne en moyenne 6 enfants maintenant ma bote msuzo komona boy ba 7 bébé obi ba nango to bota ka boye balanda ni landa no de banini ba escalier ndako et te contraint ya ko bimana nanda ko sa ko zwa même ata Pampers, qu'on avait Pampers, il y a gâté, qu'on est allé bas, couche de ça, quoi, on a un. Donc, au Tikinyo, son assimanaïo, au côté de Zamba. Parce que généralement, il fuit la guerre en attendant dans la forêt, pour se protéger. Et qu'on a un Zamba, il y a une réalité, il y a une réalité, il y a une réalité, il y a une maladie, il y a une maladie, il y a une maladie, des maladies hydriques. Il y a une maladie, il y a une parce que au potable réalité. Donc, tant que maman a eu mon bout, ça commence à banana et bah au coup fort. Moko dengwana, ça bouge la tête. C'est-à-dire que bah kamba comme on en zé là. Tant que woki ma boy bah kangi yo bah kati mobile na yo banda mandamu devant yo. Quand vous voyez ces atrocités là, bazar ko bout la banana, y a bah 12 ans, 13 ans, bazar a roulé bango de force na bah armée na bangwana. Donc quand une mère ou un père qui aime ses enfants assiste à ça. Papa, comment on a violé moi si naïe devant yé et ensuite, bah le bazoua moi si kédé naïe, tu vois. Donc, ils allaient facteur wana mis ensemble, ils allaient rendre bateau, ils allaient bouger, mais tu as bateau. Donc, ça dit que drame à Kuna et Ali, ils allaient ma casse. Donc, quand on fait le midi, à Koloba était donc au Bundate. Il a raison en partie parce que depuis deux ans, ça fait deux ans, jour pour jour, depuis que Bounagana et Tomba qui n'a beaucoup y a Rwandais, il y a Paul Kagame. Bazako foot à journaliste Mbongo, pour n'a qu'on que il y a des avancées sur le terrain, les FADC, Bagosa, Baprouès, mais. Donc, Maramboala, nous avons autant de cas où on a une vérité. À 90% ils ont le quota. En fait, ils jouent aussi la communication. Et heureusement pour eux, ils ont un bon rebelle. Le régime a fait ce qu'il y a des pèses. Est-ce que vous avez des pèses avec Kita qui a plus de 80% de TikTokers qui ont accès à ça? Ils ont tout dans TikTok. Ils ont TikTok privé, ils ont des jeunes filles qui ont des pèses. Bango tu vas rekita bango même bosse bedenyema ben ça qui va TikToker onyo sona na ba TikToker bon ba brevet mais bien avant pendant campagne ba rekita bango pèse ba $5,000 ba téléphone smartphone ba pèse ba TikToker pour na base à la pro régime en réalité les systèmes Russie à ça la capé kuna ba mboka mso ba komosa lelo et ba TikToker wana ezali soki ka prince penga publier li kamomoro na news.cd actualite.cd to na top congo. Bon, ok, nous avons fait un prince Pengue. Alors maintenant, il y a un peu internet qui a prince Pengue a fait ce que Balingue était. Non, ils allaient battre, ils ont recruté 3000 personnes. Donc, dès que tu te dis, quand on critique le régime, tu sais que tout le monde s'abat sur toi.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Russes l'ont fait dans plusieurs pays, même les Chinois l'ont fait. Donc, la Chine a recruté des gens pour nous surveiller Dengouanal. Celui qui a le gouvernement à Sali, il n'a pas commenté positivement pour le gouvernement. Donc, c'est exactement ce que ça fait. Or, Ngaï, Mouton, Natangi, qui est là, c'est au Kamba, école de sciences politiques. Il faut éviter que ça la communication n'importe où, n'importe quand. Communication, parce que ça fait partie du quotidien d'un politicien. Il communiquer, il positiver. Mais là où la vie des gens est en jeu, on ne fait pas de la communication. La réalité, c'est que nous sommes en train de reculer, madame Tatiana. Dans le terrain, nos militaires ne sont pas équipés. Dans la chaîne, il y a un de Kimbuta, Kin 24. Dans la direct, il y a 2 heures. Téléphone ouvert. Maintenant, on va fonger le téléphone, j'ai eu pitié à la militaire. Les militaires, ils ont fait ça pour combattre. Ils ont fait ça pour combattre. Ils ont fait 240 000 francs congolais. Et papa, ils ont fait 240 000 francs congolais. Ils ont fait la banque, ils ont fait 240 000 francs congolais. Ils ont fait. La banque peut avoir un bon oignon, un système au bon basos. Oui, oui, parce que quand moi, je suis à Mike. Donc, ils ont à peu près 80 dollars. 240 000 francs. Donc, 40 000 francs congolais, c'est à peu près 15 dollars. C'est à peu près 85 dollars. 85 dollars. Alors, est-ce que vous imaginez nous avons fixé un SMIG à 100 dollars. Mais il y a un policier et un militaire qui a 100 dollars. Tu sais, dans le Bango, toujours, le plus grand sacrifice qu'on puisse faire pour sa nation, c'est d'accepter de devenir militaire. Parce que nous avons dit que les militaires, ils ont dit qu'on peut vivre dans une école. Mais même militaire, on a pu aussi condamner les militaires à mort parce que qui m'a dit. Mais au moins, il y a une déclaration à AD de Congo. Puis à la Mouka, le Baki, ils allaient mal à monter un militaire à sa défection. Toi, déserté face à un ennemi, ou ils allaient qu'on a pour saucissonner le Congo. Tu sais qu'il y a une sanction exemplaire, toutefois, tu sais qu'il y a une sanction, il faut exclure la peine de mort. Tout d'abord, comment ces militaires se battent? Dans quelles conditions? C'est ce que Kofi Olomide dit. Moi, dans quelles conditions ces militaires se battent? Moi, je que à Kimaki, parce qu'il y a sali 5 jours à Koliate. Alors, maintenant, je vais dire que Olandi, rapport aux Nations Unies, expert aux Nations Unies, parce qu'il y a un rapport vendredi passé. Babi, Rwanda, à côté 4000 officiers. Ça, c'est ce que je veux dire. Les opérations militaires, tout le monde. Bananga, Badotou Bazakuna, Bandogonopso Bazakuna, Bazana Bango, je sais pas, Bétiquette. Normalement, l'opération, elle est menée par les Rwandais. Donc, les Rwandais, exactement le scénario que Moïse Kabila. Donc, les Congolais, nous allons accompagner les Rwandais dans le projet de Bango, dans l'entreprise de Bango, il y a le Balkanze Congo. Maintenant, 4000 officiers rwandais à côté de l'opération. Maintenant, le rapport est que Rwanda a des militaires rwandais à côté de Congo, ils ont des missiles sol-air. Les missiles sol-air et les missiles et abattre des avions de ligne. Donc, Boeing a dit que nous avons des missiles et abattre. Ils ont des missiles, ils ont des lance-roquettes anti-char. Bon, si vous avez des soldats congolais, AK-47 Kalachnikov à Pampa. À Télémadeva, Moutouako et Mounduko est déjà et Panzakachar de combat, et Panzakaba avion. C'est-à-dire que parce que nous avons besoin de temps, en face, au monde des Aga, au monde des Okola, au monde des Dingwa, au monde de Godberg. Donc, au taillot de masse, il y a quartier américain, un quartier congolais, il y a au taillot, mais il n'y a pas photo. Donc, quand ils ont vu l'adversaire, ils ont compris que non, il n'y avait pas moyen de se battre. Au contraire, bah, c'est retiré. Il faut vous informer réellement Obamoni pour n'avoir pas qu'on se réarmer et tout ça. Mais bref, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas toutes les informations, toutes les responsabilités. Et ce qui est vrai, c'est que Tobo a une condamnation à mort et à la militaire dans Biswana. Déjà, il y a manque d'équipement, manque de stratégie et combat. Alors, il y a une sanction. Parce qu'il n'est pas concevable qu'un militaire puisse déserter. Mais ceux qui va déserter, il faut qu'il y ait
bah, circonstances atténuantes peuvent faire ça là. Donc, ce que Kofi a dit, c'est vrai. Bah, militaire, bah, okay, bah, moto na fond. Vous rendez compte qu'un militaire qui va au front na bah, moto. Il y a un témoignage de l'égard en 2019. Au militaire à l'objet, na bah, moche na bango. Mandouk, ma ça c'est pas au la banque pour voir tiens la mortier, bah bombe wana, ezako ezali, ezana eko kuka antena mandouk yo faut bango ba beta. Donc il y a tellement à boire et à manger que au fond, ceux qui toujours kuka boulonga bitumbo je, ma c'est qu'il y a un problème, il y a des complicités internes, parce que tout ça beaucoup plus à craint à la Colombie, Rwanda, communauté internationale, complot international. Mais nos propres responsabilités. Donc, comment on a un côté chez nous, responsabilité de Bissot Ezali, cantonnement à Félix Tshisekedi, manque de clarté dans la politique et dans la sécurité. L'opération est comme ça, mais il y a des contradictions. Au niveau du ministère de la Défense, même les changements des intervenants qui sont au ministère de la Défense. Un politicien, le lobby qui est allé, manque, il y a leadership, il y a un peu de oui, pas un politicien, c'est déjà les siens, effectivement, maman. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses à bâtir, il y a un peu. Ils allaient manquer, déficit, il y a leadership. Leadership, il y a le terme anglais, les mots anglais, il y a capacité, il y a conduit d'autres hommes pour atteindre un but précis. Capacité, il y a conduire une organisation, il y a diriger une organisation. Pour qu'on atteigne l'objectif qui s'est fixé. L'objectif est tout le temps d'assurer la sécurité de la Congo. Il faut garantir l'intégrité de la Congo. Il faut avoir un sentiment de terre. Et au hasard, l'idée est de faire ce qu'il dit. Ce qui est incapable, il faut que ça soit bien abissé. Il faut que ça soit bien abissé depuis 2 ans. Et que l'homme, il faut que ça soit bien abissé. Il faut que ça soit bien abissé. Comme le chauffeur de pompe finit pour conduire sa voiture. Na dernière temps na bango ya nini ce qui à tout moment ce qu'on coûte na matanga te okuta na fête voyez-vous il y a un problème donc Félix Tshisekedi a un sérieux problème de leadership il a un leadership très faible on te dit qu'il a un leadership mais il a un leadership très faible donc aux gens les symboles salobi et à la vérité sauf que à kendeki jusqu'au bout il y a ma cantinette normalement son autant au sali constant d'engwana. Et il faut tirer les conséquences, c'est qu'il faut démissionner parce qu'il faut accompagner Moutouana dans le leadership faible. Malheureusement, il reste au gouvernement. Et surtout qu'il a fait déjà plus de 10 ans, 8 ans dans le gouvernement. Donc, bref, Kofi Olomide a mis les doigts sur les nez du problème. Et nous sommes politiciens, au contraire, il fallait que tout ça compter en Koloba. Au moins, il va critiquer ça, ma maman. Nous sommes comme un pouvoir un jour. Il faut critiquer que ça, ma maman. Tout ça, un côté. Kofi a une félicité. Kofi doit soutenir Félix Tshisekedi dans l'élection. Kofi, azakende ko bine la Félix Tshisekedi dans un conseil privé, na banda kunaye, na ba fête ya bande kunaye, ba conseil na ba ngospende na ba tete doko na bango ba ngonde. Au moins na boye na salle boye buto akota te Kofi ayika ko bine na bango ba pesi bon. Mais si Kofi Olomide peut oublier tout ça pour dire ce qu'il a dit, c'est quelque part c'est une façon pour réveiller biso ba politiciens. Kofi ne s'adresse pas qu'à la battue à pouvoir, il s'adresse aussi à l'opposition pour dire voilà, on nous tue, on viole nos enfants, on les enrôle dans l'armée, on pille nos richesses. Et 4 territoires occupés, Rutshuru, Masisi, Lubero, notre territoire, ce soir, ils ont beaucoup de gens qui ont été militaires. Mais bien beaucoup de c'est ça, toujours comme ça. On a fait, j'ai pitié à mon frère Fumitoto. Oh, ça fait 2 ans qu'on a réglé le coup la montre. Loi de programmation militaire, va passer 1 milliard en armée. Mais 1 milliard va passer en armée. 1 milliard, c'est beaucoup d'argent, maman. Mais pourquoi est-ce qu'un milliard est en armée, mais les soldats qui sont en fond, ils ont ça, jeunes, dans l'intermittence, les lois alliées, l'obé alliée. Un soldat affamé, a aussi mon mandou qui est dégagé. Donc, c'est là un problème. Donc, on n'a pas de responsabilité, nous-mêmes, Congolais. Leadership est faible, c'est faible. Le problème, c'est que même comme sous na front, il semblait que le tribalisme est côté Tinakati armé. Donc, il y a un tribu, il y a un
Tchaba en armée, sa compétence, ça donne, quand on a aussi fait plaisir. Et au niveau de l'armée, on parle même d'un mécontentement à l'interne. Or, je suis désolé de le dire. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est bien, tout le monde est bien. Question à tribalisme, c'est une question très grave, c'est vrai qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a tribalisé l'administration, a tribalisé même l'armée. Or, quand on est en guerre, il y a un meilleur général. Ce qui est une guerre, c'est bandit. Ce qui n'a attribué il y a battu la des seigneurs que nous avons meilleur généraux pour bas généraux bas yebi musala pour voir si ça va tout bas attends battu la base 40 faut que nous avons 40 parce que bon nous avons une solution ce qui bas généraux il y a kassayen des bas d'aller compétent bas d'une expertise bas yebi terrain à est malam même attends bas d'aller 1000 Félix a un droit que nous avons 1000 là il n'y a pas de tribalisme là c'est plutôt on privilégie l'expertise l'expérience et il y a combat dans le terrain. Ce qui est Bangala, même si on a 10 000, il faut que nous Bangala. Mais malheur est que nous avons Bandeko, Batom, Nogamboka, Mokonayo, Ochaba, on a armé. Parce que pour toi, c'est que Oyepo n'a plus de Batom, ça, c'est ce qui tue maintenant la chose. On avait condamné sous Kabila, les Kambaba généraux, Swahili, Oyatekna, Oyenge, et Félix Tshisekedi vient et reprend la même chose. Est-ce qu'on aime réellement ce pays? C'est ça la grande question. Kouchou Lomidi a raison. Et j'espère que. De Bakolobaka, les alliés Toli, Tourema Kassali, ou les alliés Namato Yakoyoka, ou à l'autre Mako Bomba. Ah, Bomba. Merci beaucoup, Président Prince Epenge. Aussi une photo, Tomoni, officiel, ya Congo. On dirait discussion, Moko Boye, Kosalema, entre Bahi, Yabiso, ya Congo, et Bahi, Rwanda. Une photo, Ebimaki Nandjela, ya réseaux sociaux. Nous avons vu Patrick Mouya dire que Bazalaki piégé des photos, Anna. Et Bimi Nandjela yaba etandoeke pona yo mwana mboka prince Epenge yo zali moko ya bayi la muka pe président national ya parti politique ADD yo monaki likambo yango ndenge nini c'est kasi wana ezongi singana makanisi ya liboso na sisa kito na lobaki ete quelle est notre part de responsabilité dans cette guerre d'agression. Guerre à minerai, tout le monde le sait, en partie vrai. Bah, Mindele Baza contribue aux États-Unis, Angleterre, France, Baza contribue aux appuyer Rwanda. Ça, c'est une vérité, en partie. Oh non, bah, armée à Rwanda, écoutez pas Nabiso, tout ça, ça c'est vrai. Ouganda va tout révéler, que même Ouganda, Azali complice, ça c'est vrai. Mais quel est notre part de responsabilité? Eh bien, Nabaku, tu vois, quand on a quitté si, bah, c'est absolument cambia. Et développement personnel. Tout ça, quand même, c'est un peu comme ça. Mais tout ça, quand même, c'est un peu comme ça. Capacité de Bissomoko, il y a quoi se défendre, capacité de Bissomoko à comprendre où tu es. Parfois, on ne s'attarde pas trop sur nos propres faiblesses et surtout nos forces aussi. Ministre Félix Tshisekedi, tout d'abord, il y a des États-Unis. Les États-Unis ont un lobby, mais nos militaires seront toujours vigilants. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Mais nos militaires seront vigilants comment? Il y a un lobby à l'obac. Nous on tait nos armes, mais entre-temps, Rwanda continue à tirer sur nous. Donc nous sommes devenus des chers à canon. Qui a envoyé la vice-ministre là-bas, dans la réunion? Imagine-toi que Mme Wagner, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'objet, il faut tout le temps au ministre, vice-ministre des Affaires étrangères qui est distraite. Mais maman, ce n'est pas question à photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il y a une réunion. Vous connaissez ce que ça veut dire? Oh, Nazako Belate. Mais aucun hôpital n'a tombé, aucun hôpital n'a pourquoi, aucun hôpital n'a midi. Mais c'est le tout nuit, Nazako Belate, mais aucun hôpital n'a pourquoi. Pour négocier, n'a pas de temps, mais la réunion en 4 minutes, comment il le fait? Maman, moi, si on a fait étrangère, on a habité sur un autre comme pour t'en accato, mais elle est compétente. Oh. Na, obi que Basimi Balinde bâtit une affaire étrangère. Moi, j'aurais souhaité encore que le tout doit être à la couronne en affaire étrangère. Et ça l'a titulé, on a Madame Wagner, parce que comme on a eu, ce soir compliqué. On a eu le prénom, on a eu ceux qui Wagner, je sais pas. Moi, si on a ministre affaires étrangères, elle est compétente. Oh, pas l'Andien Nassima. Obi que moi, oh, l'Andien Nassima, moi, c'est vice ministre affaires étrangères.
il n'est pas compétente. Bon, il n'y a c'est pas comment qu'on peut mettre un duo et un amateur en Dengwana. Ma vice-ministre des Affaires étrangères, on a tous là qui m'ont collé mercredi passé. Mercredi, la semaine autour les gars. Nazara qui a invité l'ambassade des États-Unis pour notre 248e anniversaire d'indépendance de l'Amérique. Vous avez vu la résidence et ambassadrice américaine. Moi, si on a ambassadrice américaine à Bandi Discours, il y a 19h-20h. Et l'ambassadrice a ceci discours. Moi, si on a affaire étrangère, il y a un discours. Il y a beaucoup de temps. 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 Mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Et comme il y a un moment où il y a un moment où il y a un Félix, c'est ma campagne comme ça. C'est pas de quel critère que vous nommez Batouane. C'est comme ça que même, encore une fois, que vous avez dit, vous avez dit, la défense nationale. Je vous invite. Ce monsieur-là, Zaki, n'a déjà un journal officiel. Il est venu à Tchèbande Konaye plus de 100 à moins à 2 mois. Un journal officiel. A baissé l'avantage à Baja. Je viens de me dégager des agents, je suis officiel avec mon ami Molobeli. Il y a peuple. T'as là, t'as ma cambo, nouveau déjà, je suis officiel à Gossal. Quand on invite à par quelle magie, Balongolim Bamo va tirer la défense. Il y a comme un cambo, il tourne, idée à Vitumba, idée à défense nationale et il y a l'attaque au Moukete. Pourquoi? Parce que Félix, c'est ce que tu voulais, mettre quelqu'un, ouais, au contrôler. Mais papa, l'État passe généralement une période de paix, une période de guerre. Quand dans la période de la paix, on peut nommer Batoun, c'est la période de la paix. Mais quand vous êtes en guerre, là, il va bien avoir le gouvernement, il va faire la guerre, il va faire le gouvernement, il y a des techniciens, pas technocrates, techniciens. Il y a un ministère de la défense, il y a un chef des armées, Moutaï Bibitumba. Peu importe, il y a même un civil, mais un expert en matière militaire. Pour qu'on a facilité à comprendre ce qu'il y a dans le Bitumba. Yo lingo kumba Airbus A380 ogo za chauffeur a 17 au Tchéna ba bouté belé na akomona ko akopande le koné. Donc nous sommes dans une situation où nous sommes aussi responsables, pas même les premiers responsables de ce qui nous arrive. Parce que comment est-ce que les Rwandais peuvent jouer avec nous comme ça? Comment avec d'après ba sociologue na ba démographe de l'autre 100 millions d'habitants, enfin, l'estimation qui semble être la plus plausible. D'ici 2050, toujours après ma projection, sociologue, ma démographe, d'ici 2050, RDC est au coût à 215 millions d'habitants. Donc nous deviendrons le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria. Et tout le huitième pays le plus peuplé du monde. Qu'est-ce que nous prévoyons pour l'avenir de ces 215 millions d'âmes. Avec ma leadership, pourquoi Félix, tu sais que Dieu. Donc, on va avoir un président qui. Parce qu'il a un malam. Un président qui est gentil. Est-ce qu'on peut élire un président parce qu'il est gentil? Un président qui pense qu'il peut exploiter faiblesse à peuple Nabiso, n'a pas mis à tout moment, n'a pas conseil, il y a un musicien, n'a pas rencontre, il y a un nini, il y a un cité, il y a un. Non! Nous voulons un président. Je l'ai dit, je le répète, les jours où je serai président, la première année va être Yinanga. Parce que je ne vois pas comment on peut changer ce pays sans que Yinanga soit la première année. Parce que la réforme, au quotidien, nécessairement, il faut battre graisser Mino. On ne peut pas être président de ce pays et la première année va être acclamé. On sait qu'on a un mauvais président. Mais les autres parce aussi. Parce que tu dois prendre des décisions difficiles et quand vous prenez des décisions difficiles, 80% des Congolais diront non à Ali Mabé. Mais c'est avec l'État qu'ils vont voir attendre la réforme et là on ne va pas vous aimer. Mais Félix est venu connaissant que le peuple est un peuple très distrait, un peuple très naïf et il joue aussi sa faiblesse naïve. Alors qu'un dirigeant ne vient pas jouer ses faiblesses, c'est son peuple. Un dirigeant vient plutôt qu'il sa capacité naïve et la faculté naïve cognitive pour le peuple à fondre ma mémoire. Mais bango pe président Prince Pengeba kolobate bino bayi la muka ba ko sentir binote a des débats ko mona binote na balabala. Ça c'est vous avez raison, c'est une stratégie. C'est une stratégie tout simplement parce que tu observes
Kabila a contexte justement, c'est il faut faire les choses différentes, différemment parce que les temps sont différents. Kabila, Félix a Kabila te. Justement, Félix joue aussi la tribu. Il s'est dit que j'ai une tribu qui est soudée derrière moi. Ata qu'on a sens na mesa, bako accompagner ga toujours. Ata qu'on met la même tribu et bon Koufinza la accompagner ga toujours. Félix s'est dit Aza Congolais. Donc le coup Aza Congolais, le Congolais va causer un peu plus clément avec lui. Et ça, il a raison. Il dit que, parce que contrairement à Kabila, Kabila a demandé le bazar rwandais. Donc nous n'avions pas un rapport direct à Kabila. Kabila ne pouvait pas se promener dans la cité comme Félix l'a fait aujourd'hui. Donc Félix, c'est qu'il exploite ce facteur-là. Donc, mais il y a, et Félix dit ah, il dépèse. Il dépèse. Félix exploite le facteur, il dépèse. Félix n'a rien mérité en termes de combat, à part que il est, c'est un héritier. Azak a exploité amour au peuple Azaki Nango avec son père, et respect au Azaki Nango avec son père, et même popularité à Papa Nandé a exploité en gros. Sauf que crédit, le coup la crédit, c'est dans le téléphone, puis dans la carte bancaire, non? Crédit, Azak, c'est quoi épuisé? Parce que le temps finit toujours par dévoiler réellement autre chose. Là, il comptait sur ça il y a 5 ans. Mais là, il n'a plus ce crédit-là. Il ne peut plus tabler sur la tribu. Même la tribu a compris qu'il ne jouait pas pour l'intérêt de la tribu. Le parti a compris que Félix ne jouait pas pour l'intérêt du parti. Et même les DPS aussi, en termes de tout ça. Crédit même à papa, il mange à papa, il tient le secret. Il colère à mauvais, je suis à Félix. Ils allaient suffisamment écorner. Donc, maintenant, Bissot a adapté une stratégie à Bissot. Après l'élection, pendant l'élection, qu'est-ce que Félix n'a pas promis aux gens? Nako Bundesa Rwanda, Nako sa la guerre, le sakoué no tanga nambebo, attaque Congolais mou a koufi nako bombarder Rwanda, Nako attaquer, Nako déclarer guerre. Tout ça, les Congolais, on a dit, tout que la Congolais, Congolais a tout moko mieux sauté, mais 70% de Congolais baza distrait. C'est le seul peuple où il y a 60 millions de dollars. Moutoutou qui paye 60 millions de dollars à une cité, bah nous gobeter les mabok. Ah, t'as mon tukana mwa kitoko. Boss, gang. Il n'y a que au Congo on peut voir des choses comme ça. Ailleurs, au tout ibambong à l'État, un ministre, un député, bah kayase yo. Voyez-vous? Donc, on a compris qu'il faut changer de stratégie. Ma kambagotia marche chaque semaine et que permettre peu peut-être bah se concentrer si ma belle au régime a fait ce genre ça. Okay. Tous ces détournements bagos là, ceux qui battent ça détournement les lobbies, c'est le tien marche lobby. Tu veux partager attention à battre, tu veux partager attention en entre battre à détournement battre à marche n'abuso. On a compris que tout ce qu'ils ont promis pendant la campagne bagos là monte. Alors laissons le peuple le temps à méditer si mieux ce que ça la main. Azo attend. Bas scandale financier ils ont chaque semaine. Bas contradiction ils ont chaque semaine. Malobata lobaki. Si le terrain a compris sa moto, entre ce que Félix dit et ce qu'il fait, il y a tout un monde. Donc, tu as dit que 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 Félix as dit que corruption as dit que tu 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 as Alors, il y a aussi ça qui tombe à l'est, c'est que c'est Mme Mbale. Bamsou va voter dans le Yengewana. Est-ce que le CC qui tombe à l'est? Au contraire, il y a même un peu ce qu'il y a, Félix, il y a limité, il y a fouti, il y a fini. Social à Congolais. Alors, il y a le Pia Blog qui quitte. Si 7 mois après, est-ce que le Pia Blog quitte? Peuple, c'est que tout là qui s'y est, tout facilité, peuple à l'obé. Les lois, je peux vous dire que le peuple accompagne que Félix, c'est que n'a pas rien entendu de lui. Maintenant, des sikoyo, des trucs au banda, c'est que le bac. Donc, autre temps, autre mœurs, autre temps, autre stratégie. Stratégie à Félix, la campagne, ils ont si démagogie, si mensonge, si tromperie, si diffamation. Moutan Loba qui était à Katumba, c'est étranger. Vous votez Katumba, les lots, il va comment protéger, l'étranger va comment protéger. C'est-à-dire qu'il n'a plus confiance aux Congolais. Donc tout ça, peuple Nabiso, c'est vrai, Kali faible. Mais il sait aussi par moments. C'est montré vaillant. Et nous savons que ce qui va arriver là d'ici la fin de l'année. Félix Tshisekedi, et ça je peux vous garantir, madame. Moukolo,
tant au pouvoir, il dépasse aussi. Il a peut-être avant fait un mandat, peut-être il a fait un mandat. Il dépasse que lui, moi, le coup, la mongo en zone. Je vous dis, tellement basa qu'on multiplie par faute est grave, tellement basa qu'on doit congoler le coup, la bantabana bango. Tellement que, comme je vous ai dit, et ça c'est important, il faut noter, qu'ils ont suffisamment puisé ces crédits à y'a peu près de Mounouba. Ils ont puisé ces combos et des pèses, parce que nous tous nous avons contribué pour les pèses et commander et commis. La partie de tous soutenir les tiens de Mounouba. Parce que tout le monde a équipé secrétaire général, il y a IDPS juste après sortie médiatique, il y a président élu, Martin Fayoulou, à Lobaki, pour Namambi, mais Matali, 30 juin, à Salaki, Baitude, Moko, Abimi, Saki, Makamo, Moko, Makasi, Nakatiwana, Augustin Kabouya, juste après, il y a qui peut répondre, président élu, Martin Fayoulou. Augustin Kabouya avait dit que Katoumina Fayoulou, il faut voir qu'il y a un CNPP. Bon, tu sais, il faut que tu aies une bêtise, M. Sou, et qu'il y ait un moment. Voyons ce qui est essentiel pour le pays. Comme je vous disais, bah profiter na aura et tiens c'est que bah profiter na grandeur moins moquée relative ou et qui na IDPS bah profiter na ils ont instrumentalisé la tribu pendant un moment donné sur quoi critiquer y est mais Félix c'est que bah quoi ils vont bah critiquer tribu là bas. Au lobby que Félix c'est que bah voyage à petit naté bah bon critiquer tribu là bas aux tribalistes au lobby boy. Maintenant, comme le temps est le meilleur allié de la vérité, même nos frères de la tribu, Luba, ont compris que nous n'avons rien à voir avec ce pouvoir. J'ai beaucoup de mes frères de Luba qui sont avec moi qui me disent il ne faut pas nous confondre, il ne faut pas nous amener dans cette bouillabaisse-là, nous ne sommes pas là. C'est un peu comme les Swahili qu'on dise que tout ce que Kabila a fait, ils ont mis tout à Swahili. Ce que Kabila a dit qu'il n'y a pas rwandais, c'est que Bassoyani n'y a pas rwandais. Ou qu'on dise que tous les Bangala étaient responsables de la politique à Mobutu. Ça, c'est irréfléchi, ça. C'est irrationnel. Donc, bref, aujourd'hui, tant que nous avons dit 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 est-ce qu'il n'est pas responsable aussi à la misère? Est-ce qu'il n'est pas responsable? Le yenge naye. Est-ce qu'il n'est pas responsable? Beaucoup de gens ont lobby ce qui est une situation comme Mobulu, beaucoup de gens ont fait que ça y est, à financer JB, à financer Wira. Vous avez un conseil de martyr. Eh, bah, que, babini, 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 baye, tout ça. Eh, beaucoup de gens ont vendu pour pas, mais même nos Zidane. Nos Zidane, aïe, na Congo. Eh, les Congolais vont se divertir et tout ça. Et c'est exactement ça. Et c'est ça, c'est la tactique que Félix a inventé en côté. C'est une tactique où, bah, démagogue, bah, politicien, belé, bah, dans la gloire, bah, dictateur, bah, exploitant. Ici, je vais vous donner un cas. Pour enregistrer ça, madame. Dans le rapport à l'ONU, oui, il m'a dit vendredi passé, il y a été au Uganda, Azali, pour soutenir M23. Uganda, il y a été cancellé pour M23 contre le territoire. Mais est-ce que vous avez dit que même au Uganda, Félix a signé un accord, la coopération militaire, Ngata on a été à Beni, on a été à Butembo, surtout dans l'aéroport à Goma. J'ai vu tant de gens qui ont avion, tout le monde était il y a 2 heures dans l'aéroport à Goma. Plein de militaires ougandais. On a tout ni. Mais pas ça, il y a des opérations militaires conjointes. Il y a l'armée ougandaise, IPDF, ils allaient commander une armée congolaise. Mais même l'Ouganda a commandé une opération militaire. Il y a même un programme qui a commandé à Shuja. Le programme Shuja, il y a des gens qui ont dit en Swahili, je voulais d'aller chercher sur Google là. Donc, on a une opération na Bango, na Beni, na Butembo, même na Bunya. Mais même Uganda, wana, azali ko coopérer na M23, azali ko tikela a opé sa M23 mandoki, a ko former même ba militaire ya M23. Et c'est le rapport de ce vendredi, il y a explication de Nino Lobiango. Mais yoka mama na likam. Madame la ministre des Affaires étrangères wana tout le bas est compétente. Ba tunye mo tourner pas d'ailleurs jeunesse mon quoi moi. Ami madame. Maintenant c'est le rapport des Nations Unies da ko Lobiango. Vous les Congo, l'État congolais, vous n'étiez pas au courant. Oh non, vous savez, même nos services de l'armée congolaise semblaient nous donner nous indiquer des faits similaires. Ah bon. Donc, l'armée congolaise peut avoir soupçonné l'Ouganda, que l'Ouganda a un 23, mais vous avez quand même maintenu coopération militaire dans Bango. Mais dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on gagne la guerre? Kofi n'a-t-il pas raison? La logique est formelle de Tanga et Aristote et le Bénin, que l'ami de mon ennemi est aussi mon ennemi. Oui. L'Ouganda, Azali, ami à M23. M23 est un ennemi, c'est que l'Ouganda est un ennemi. Comment l'Ouganda coopère avec le gouvernement congolais
la population militaire. Ça, c'est du concret, mener des opérations militaires à Benevida, à Outiaya, à Butembo, même à Bounia. Mais en même temps, les mêmes Ouganda donnent les armes au M23. C'est-à-dire que l'Ouganda n'a pas plein d'ambition, n'était pas au M23. On ne gagne pas la guerre. Comment voulez-vous? Moi, il y a 3 semaines, là, quand la RFI m'appelle, me dit, de point de vue de Nabino Simakambo, j'ai posé la question. Comment, malgré toi, un état de siège, un état de piège, na Bounia, na Butembo, na Patukuna. Comment malgré l'opération on a conjoint entre armée ougandaise et IPDF et armée congolaise, les tueries continuent au contraire même ébati. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant la population à Beni, il y a Butembo partout, bah il y a alerté bah militaire tant va moni va tomboki wana il y a IPDF va au côté. Mais comment malgré que bah policier bazawana, bah militaire bazawana, ougandais bazawana, bah congolais bazawana, comment on tue? On comprend maintenant pourquoi. Mais la ministre des Affaires étrangères, il y a Congo, Nabiso, autonomie à l'Obio. Bon, Alomé Nabiso, il y a des informations similaires. Mais maintenant, là, nous allons confirmer avec ces rapports. Bon, lui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, vous savez, on a des cas de discussion avec l'Ouganda. On va essayer un peu de montrer ça à nos amis ougandais pour qu'on cherche une solution. En bon? Oh. Ouganda, c'est très, très. Il y a tellement de maman, moi, si on a évité. Pratiquement, on a noté qu'on a tellement pourtant noté qu'à ce que vous avez. Oh, ministre des Affaires étrangères. Et au moins une responsabilité dans ce que j'ai dit. Sincèrement, peut-être que ça fait vous faire rire, mais moi, personnellement, je trouve ça assez choquant de voir une ministre comme ça. Et, il faut avoir des couilles, excusez-moi, permettez-moi l'expression. Il faut dire que dès maintenant, là, nous rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda, plutôt avec l'Ouganda, parce que c'est un ami. Félix Assignac, en 2019, vous voyez bien, c'est un peu ça, c'est un accord et coopération à Ouganda pour nous. Dans le domaine de l'infrastructure, pour l'Ouganda, on a 250 km, il y a Nzela et Panabiso, transfrontalier. La kilomètre, il faut annuler l'accord. Comment, dans ces conditions, le ministre a fait sa réponse, je dirais, molle, et complaisante, réponse vraiment timide, et tout ça. Non, ce n'est pas un défilé de beauté. Ce n'est pas un défilé de beauté, il s'agit de la vie des gens. Donc, on a vu tout ce qu'on pouvait voir avec Félix Tshisekedi. Maintenant, tous les patriotes, là où nous sommes. Ce qui me réjouit, moi, c'est que je n'abandonnerai jamais ce combat. Malheureusement, à l'étranger comme ici, il y en a qui sont démobilisés. Il y a même qui ont abandonné en disant, non, un bon combattant n'abandonne pas jusqu'à la victoire. Comme Che Guevara, Thomas Sankara, Lumumba. Mais tous les bons combattants n'abandonnent pas. On a dépensé mon gébélé. On a dépensé tant d'angébélé. On a dépensé finanga. Nous, les Pengela, qu'est-ce qu'on a encore à part défendre la patrie? Qu'on défendre Mboka, c'est plus que même un travail. La politique, c'est plus que même un travail. C'est parce que les politiciens sont trop aventuriers, sont trop escrocs au Congo. Mais la politique, c'est le métier le plus important. C'est plus qu'un métier. Parce que donner sa vie pour défendre la vie des autres, c'est plus qu'un métier. Très bien. Donc, ici, tous les patriotes, partout où ils sont, même si on va démobiliser, c'est le moment. Félix Tshisekedi, dès que le bagage, au check carte, on a distribué, babi crédit épuisé. Crédit est insulté. C'est fini, il a trompé, à sa démagogie, il a joué si gentillesse naïe, il a joué si na congolais, il a joué aussi ma tribu, il a joué si l'île de Pesse. Même à l'île de Pesse, on est comme au Pesse Mbamba Boy. Même les propres militants aujourd'hui me disent, Pengue, Makamoto, le bagage, depuis 6 ans, tu as raison, Félix n'a rien à donner aux Congolais. J'ai rencontré des gens de l'île de Pesse qui me disent ainsi. Alors maintenant, un combattant, dit de ce nom, au contraire, c'est le moment de se dire la victoire est proche, mettons-nous en nom d'il et libérons notre pays de cette situation ici. C'est pas, c'est plus possible de continuer comme ça. Merci beaucoup, président Prince Epenge, président national, il y a ADD Congo, Moko, il y a Bailly Lamouka, proche, il y a président élu, Martin Fayoulou, Tokomina Souka, il y a émission Nabiso. Merci Nabino Banso Bailly Bozala qui Bailly Oboso Boyetando Eke, Natina Eteto, Sombitinia, Makanisi, Namaï Matali Ekolo, il y a Biso Congo, Nabite Bozala qui Penzawana, Oboso Boyetando Eke, Bailly.
qui est poté tout solo là na maimatali Congo vous allez qui peut bailler qui a coupé ma maman Tatiana tous aïe na besoin de Oyambe Labiso moi l'amboka prince Epengue yende azala qui invité na biso mon collègue présent prince Epengue tokomi na souka ya émission bah oba kolingata musuba ko sadere na ADD Congo ba yeba ba information sur la Mouka et Sengeli basa lolingi kan. Oui, ADD Congo et Zaliwana, Action pour la démocratie et le développement au Congo. Pour nous, nous avons un siège, nous avons un siège qui est allé. D'ailleurs, nous sommes en pleine période de recrutement et adhésion massive. Nous avons vendu l'enseignement en 197. Nous avons un siège avec les moyens de bord pour nous avoir un siège qui est allé dans le Sengeli. Parce que nous sommes dans un combat où nous ne pouvons compter que sur nos propres maigres moyens. Mais pour nous, on étranger, à des Congo, on a la fédération, on a payé Bélé. Ils ont payé au Toate, nous demandons à tous ceux qui veulent se joindre à nous dans ce combat, à nous écouter, à nous suivre pour que nous puissions gagner ce combat. Parce que nous le gagnons, madame, je vous le dis. Mm-hmm. Quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça nous coûtera, nous finirons par diriger ce pays. Et le moment de collection, le moment de continuer à mûrir l'idée, ça sert à ça l'opposition. Ce que tout ça vous opposant parce que nous croyons qu'il n'y a pas d'élection. ADD Congo, tout ça, c'est quand on a campagne et on a implanté 3000 cellules 2024-2025. Donc, décembre 2025, il faudrait qu'on ait 3000 cellules. D'ailleurs, c'est samedi au président de la fédération, il y a Tchan Xavier Mava qui a maman dans la matinée politique. Le Kungakuna, tu as une matinée politique le dimanche suivant. Donc chaque semaine, on a une matinée politique et bien, on préparer. Regardez des Congo, 3000 cellules. Parce que tout le monde a dit Félix. Pourquoi la Félix a échoué lamentablement. Et ce qu'il y a, c'est mon boulot. Et donc, il faut que la population se prépare à vraiment faire tout pour les contraindre à partir si jamais ils osent attriper à tuer la Constitution ou à se maintenir au pouvoir par la force. Donc, il y a un lobby. Il y a un français. Tu vois, il y a un studio. Mais il y a un lobby, il y a un lobby, il y a un micro. Et comme il y a un terrain. Donc, pour cela, des Congo se prépare. Et dans ce combat pacifique que nous menons, et nous demandons à tous ceux qui veulent se joindre à nous à contribuer en termes d'idées financières, matérielles. La DD Congo, en ce moment, nous avons quand même une table pour nous réunir à ma maman, bureau à ma maman, etc. Nous avons besoin à tous ceux qui viennent parce que un parti est un moyen pour nous avoir une idée. Toi, tu as une idée, mais tu as même idée. Dans mon dernier niveau, il faut partir. Et en haut de ça, la DD Congo, on a Pierre-Jacques Chaloup, Père Sonam. Et nous sommes décidés de l'eau à cause là. Si pas les premiers partis à Kinshasa, tous à la parmi les trois premiers partis à Kinshasa. Et ensuite, nous allons partir à l'Équateur, où déjà tous au Lukasiko siège, dans l'Équateur, dans toutes les trois provinces de Bandundu. Déjà dans Kasai, déjà dans Gandajika, là nous sommes là, dans Chikapa, nous sommes là. Et nous sommes en train de partir petit à petit. Déjà dans Kolwezi, il y a un avocat à Utisko pour l'espace pour nous. Congo, nous sommes en train de partir lentement mais sûrement parce que c'est les idées qui amènent le développement et non le contraire. Merci à Baïba Soubalandibiso. Le numéro est allé toujours 081-23-55-500 ou plus 243-81-23-55-500. Merci à vous, bravo. Nous allons continuer, Moussala, malgré les hauts et les bas, mais la lutte continue. Merci beaucoup président prince Epengue. Là mon mami Issa Basana oyo azali ko sepela mokone ya mbotama uto mikili ya poto to tombeli pe mbotama ela mon maître Nzapa depuis Dallas et Sikawapi yepe azali ko sepela mokone ya mbotama na bae banson bo botama mokolo elelo maître Nzapa mukumari to tombeli openza mbotama ela. Merci na ba partenaire fidèle oyo bazali ko soutenir maman Tatiana, merci à maman Emeline Nzemba et à tous les peuples en Bétou, maman Likelemba, Natondio Botondi. Merci à l'équipe rédactionnelle, Mikandeke, Jojo Komingo, ingénieur Eric Lokole, Longona Bastagère, Nabiso Baye Baike, Awa Nandela et Ariako News Télévision pour nous formation. D'ailleurs, Nabora Kimbea Tetofongola qui porte au Yabiso pour nous avoir à maman Tatiana, mon côté Kasi. Tobi misape balé qui na biso bazali pe koya parce que ça qui na ifasi que quand bien même ça la isalité mais to ko bunda pote bango pe to ko makotinda ka bango na terrain ba kenda ka
kozwaka ba news kala mingi te na mikolo to pe na sanza ezali koya bokomesa na mingi komona ka bango na nzela ya terrain matondo mingi na bino Cécile Osango la confiance du chef Serge Katembo bandalongwa de cœur et longo na cordon papi Moulala Cécile Osango la confiance du chef Serge Katembo félicitations na Bénédicte Enongo Osango mwana yanga na chef Osango Osango, Totombelio Penza, Papa Pena, bah, félicitations et belé. Voilà, le patron, Osango, chef, c'est Serge Katembo. Merci vraiment, Nabino Banson, Baibola Narabiso, Boko Barapé, Kolanda Biso, Yamimi, Laifet, Anazo, Lukayo. Merci, hein, Nabino Nyonso. Awande, Tocheli Tono, président Roger Mangwanda depuis Paris. Balobaka, l'église et la presse sont au milieu du village, mais. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, vous dit que l'Église est le corps de Christ. Christ est vérité, alors l'Église et la presse sont dans la vérité numéro Boyoki. Il y a présent Prince Pengue parce qu'il y a Kolobate Kalamingite Bakuluka. Bato Bozaïna Mite Mamalambula Rosunga. Ba maman pour te bakulinga. Kobongisa bureau ya ba maman. Bino bayo bosepila kana komba. Oye a salara to soukaka na ba commentaire et belete. Meto realizara PR moko na moa ba problème ya mike mike. Surtout koko se zali makasi. Na bango bato ba boya ki makonomite. Mokolo, moi le loto tondi au bouton du présent. Le bouton du nom, merci. Voilà, allez, au revoir. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel.